Le centre culturel de la Marcaillam existe depuis maintenant plus de 20 ans. Donc, il a été créé à l'initiative d'intellectuels iraniens et qui, au départ, ont développé des activités communautaires, mais très vite, le centre s'est ouvert. Et sa mission principale est de créer des espaces constructifs de dialogue et de travailler sur les questions interculturelles avec une vision très large de l'interculturalité. Donc nous travaillons sur la migration, l'immigration, mais tout simplement aussi sur les questions d'actualité, donc du rapport à l'autre, de ce qui est en œuvre. Pour nous, l'interculturalité démarre dans le rapport à l'autre, tout simplement. Voilà, c'est déjà en comprenant qui on est, comment on est, de quelle dynamique intérieure nous sommes animés, qu'on peut aussi mettre en œuvre des processus de rencontre et de dialogue avec l'autre, quel qu'il soit. Nous avons différents axes d'action. Donc, notre manière de penser la culture se traduit par tout un programme de formation qui s'adresse aux travailleurs du non-marchand, aux enseignants, aux médiateurs, aux travailleurs sociaux, et qui leur offre toute une série de formations qui travaillent sur les compétences interculturelles, sur les questions liées aux stéréotypes, aux préjugés, sur la médiation. D'ailleurs, le mois prochain, nous organisons un colloque international sur la médiation. C'est la médiation littéralement et dans tous les sens, c'est vraiment de questionner, de complexifier la médiation pour tenter d'éclaircir ce métier, parce qu'il apparaît que assez récent, il n'est pas toujours bien compris et appréhendé par les travailleurs, les professionnels qui gravitent autour des médiateurs. Et donc c'est un colloque qui s'adresse aux médiateurs, mais à tous ceux qui travaillent, qui sont amenés à travailler avec les médiateurs. Et d'une certaine manière, le centre se pose aussi comme un centre médiateur, dans sa volonté de traduire dans des espaces justement communs des questions actuelles qui concernent une société complexe, interculturelle et multiculturelle. Nous travaillons donc, on a l'axe formation, on a un axe conférence, événements, on organise pour le moment une exposition qui s'articule autour d'un livre qui s'appelle Adélaïde Paysage, et l'auteur Claire Consoir réunit autour d'elle un collectif d'artistes qui sont venus investir le centre et le transformer à partir du thème enclave et oasis, qui peut se lire et se traduire de différentes manières. L'enclave oasis, enclave du réfugié qui vient chercher dans la terre d'ailleurs cette oasis pour se ressourcer, peut-être cette Europe par exemple. L'oasis intérieure aussi, dans un cheminement personnel. Et donc voilà, on a proposé un ensemble de conférences qui vont un peu traverser ces questions-là. Cheminement extérieur, intérieur, collectif, individuel. Voilà. Alors, on a aussi un projet phare du centre qui est assez emblématique en fait, qui s'appelle Le voyage magique d'un certain zéro. Et ce projet est une exposition interactive qui évoque le voyage du zéro, de sa naissance en Inde jusqu'à son arrivée en Europe. Et donc, ce voyage dans différents pays du Moyen-Orient jusqu'à son arrivée en Europe est une occasion de voir comment les cultures se sont créées, construites, les unes en contact avec les autres, dans un espace commun où finalement on peut ne plus savoir qui est de l'un, qui est de l'autre, on n'est pas dans le « où » et on est dans le « et ». Et ce voyage du zéro, c'est aussi la métaphore de l'individu qui seul n'est rien, mais qui est en relation avec l'autre. Et donc là, on est dans l'altérité. Et donc ce projet est un outil très intéressant parce qu'il nous permet de travailler les valeurs humanistes avec les jeunes, avec des classes, mais aussi avec des adultes. Voilà, c'est un outil qui est vraiment modulable, qui a différents niveaux de lecture et auxquels sont associées toute une série d'animations qui permettent de travailler une série de questions très actuelles. Donc on a un ancrage local, on travaille à Bruxelles, en Belgique, mais aussi à l'étranger, notamment en Algérie. Pour le moment, on a des projets avec l'Algérie. Ce sont des projets de formation qui s'inscrivent dans un projet européen beaucoup plus large.
où ce sont les questions de citoyenneté, de droits de l'homme qui vont être travaillées avec différents publics, de jeunes, éducateurs, animateurs de l'espace algérien. Mmh. En Belgique, en fait, en fonction des activités que nous menons, on touche des jeunes, des adolescents. On a par exemple un projet d'atelier philo avec des jeunes qui fréquentent des écoles de devoirs à Bruxelles. Et ces ateliers philo, on ne fait pas de la philosophie avec les jeunes, c'est plutôt comment aller vers le développement d'un esprit critique et d'une réflexion. Et tout simplement, ça peut partir de comment poser une question, qu'est-ce que poser une question. Et donc c'est un espace où toutes les questions peuvent être posées sans qu'aucun jugement ne vienne mettre un frein. Et donc, voilà, ça, c'est un exemple de projet avec des jeunes. Les conférences attirent un tout autre type de public, quand on organise des formations, des séminaires aussi. Et aussi, ce qui m'amène à dire que ce qui fait aussi notre spécificité en tant qu'association, c'est que nous travaillons avec le terrain, mais aussi avec le monde académique. Et donc, on organise des colloques, des projets. On associe le monde académique à nos projets, on les associe pour mener une réflexion commune avec notre expertise de terrain et alors aussi cette réflexion qui alimente, qui fait que voilà, on est dans quelque chose une réflexion globale qui à la fois n'est pas juste théorique ou pas que pragmatique de terrain. On concilie les deux. Et ça, on tient beaucoup à cette méthodologie de travail. Mmh.